Dan Jossin a pris un excellent départ. Désir Princi également est bien parti. Il est à l'extérieur. Destin de Star prend également un bon départ au centre. Les favoris connaissent une bonne mise en jambe et se placent immédiatement à l'avant du peloton. Désir Princier, Destin de Star, effectivement, aux deux premières places d'Éclic du Soleil, qui est également bien parti, alors qu'on a disqualifié à l'instant même Derby du Dollar, le numéro 16 qui effectuait sa rentrée aujourd'hui, qui est donc disqualifié à l'arrière du peloton. Dreamer de Chenu, numéro 15, ou encore Dream of Giel, le numéro 14. Désir Princier, seul en tête pour sortir du premier tour, dans Dan Jostin, qui est deuxième en dehors, subi à la corde par Destin de Star, avec également la corde des coups de Tilou. L'Éclic du Soleil, c'est la Kazakh jaune qui est au centre, vient quant à lui quatrième, et il précède également Doruk, c'est le numéro 9, et un petit peu plus à l'extérieur, un concurrent qui tente de progresser et qui tente de venir au contact, c'est Deus Ex Machina qui tente de progresser. Ouais, Johan Le Bourgeois, associé à Désir Princier, l'un des favoris, compte toujours plusieurs longueurs d'avance, il n'attend personne pour l'instant, et derrière, Dan Jocelyn est en deuxième position avec le favori Destin de Star qui est pour l'instant troisième, un peloton qui se regroupe quelque peu avec Delta de l'Erdre, le numéro 2, qui vient pour l'instant dans le wagon de la deuxième épaisseur, et tout à l'extérieur c'est Détroit Ace, le numéro 7, qui est à flanc de peloton mais qui se rapproche. Désir Princier en tête, Dan Jocelyn deuxième, Destin de Star qui est troisième dans le tournant, suivi toujours par à l'extérieur Delta de l'Erdre qui poursuit son effort et qui est venu au contact également avec Détroit Ice également qui tente de se rapprocher mais qui est piégé en troisième épaisseur à la corde. Ensuite Doc RG numéro 13 suivi au centre par Déclic du Soleil. Pour sortir d'un nouveau tournant et se présenter devant les tribunes, il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Désir Princier qui a l'avantage depuis le départ. Dan Jocelyn est en deuxième position avec Destin de Star qui est toujours troisième côté corde. On retrouve également Déco Tilou, le numéro 1, qui vient également dedans avec à l'extérieur Détroit Ice. On note ensuite la présence de Delta de l'Erdre, le numéro 2, qui a désormais un dos. On retrouve Désir et moi qui vient un petit peu plus loin avec également la présence de Dorlic du Palais à l'arrière, toujours les mêmes, Deus Ex Machina en compagnie également de Dream of Giel et Dreamer de Chenu. On a beaucoup de rythme hein, sous l'impulsion du numéro 4 Désir Princier qui pour l'instant n'a pas relâché son effort. Il est suivi par Dan Jocelyn, Destin de Star qui vient toujours sur un troisième rideau, suivi quant à lui au centre par Détroit Ace avec la corde d'Écho de Tilou, des positions de tête qui n'ont pas varié alors qu'on se dirige vers le poteau du dernier kilomètre. Deus Ex Machina numéro 5 est en train d'essayer de quitter l'arrière du peloton avec Dream of Giel. Effectivement, un wagon de droite qui va peut-être se former. Désir et moi également qui essaye de se rapprocher avec également Delta de l'Erdre, le numéro 2, mais devant Désir Princier qui a toujours les choses bien en main. Dan Jocelyn est en deuxième position avec le favori Destin de Star qui est toujours troisième. Des Cotilou qui semble avoir pas mal de ressources. On a du mal pour l'instant à quitter l'arrière-garde. Deus Ex Machina qui essaye néanmoins de progresser avec également Dream of Giel au moment où ils abordent maintenant le bout de la ligne d'en face. C'est le tournant final qui va être entamé en tête par Désir Princier. Et Dan Jocelyn qui est toujours deuxième dans son sillage, suivi par Destin de Star, tous les trois qui précède Déco de Tilou, Doc RG et au centre également le 2 Delta de l'Erdre, un petit peu plus en dehors le numéro 10 Désir et moi. Il va essayer de le faire de bout en bout. Désir Princier qui a toujours l'avantage. Dan Jocelyn reste en deuxième position avec le favori Destin de Star qui est pour toujours troisième. L'As Déco de Tilou qui est en quatrième position. On a du mal pour l'instant à revenir. Désir Princier qui repart sous la pression de Dan Jocelyn mais qui est au galop. Désir Princier, Dan Jocelyn en tête, Destin de Star au galop également. Coup de théâtre, deux favoris au galop à la sortie du tournant final et Dan Jocelyn se retrouve seul en tête. Dan Jocelyn qui a toujours nettement l'avantage, mais attention car Déco de Tilou tente de revenir maintenant l'attaquer. Dan Jocelyn qui a l'avantage, Déco de Tilou qui est en deuxième position et puis on retrait une très belle fin de course du numéro 9 Doruk. Dan Jocelyn devant Déco de Tilou, Dan Jocelyn qui résiste à Déco de Tilou, troisième place pour le numéro 9 Doruk et la quatrième place pour le 2 Delta de l'Erdre. Et oui, Dan Jocelyn qui s'impose et qui double la mise hein, d'ailleurs associé à Franck Ouvry pour l'entraînement de Jarmo Niskanen qui a bien résisté à l'attaque de Déco de Tilou et Christophe Martens tout au long de cette phase finale où on a vu hein, à l'entrée de la ligne droite une double disqualification. Les deux favoris d'ailleurs qui ont fait la faute alors qu'ils luttaient activement pour les premières places. Ensuite le numéro 9 Doruk est venu prendre la troisième place tout à la fin, aux dépens de Delta de l'Erdre le numéro 2, la cinquième place pour le numéro 3 Déclic du Soleil, une arrivée chiffrée 6 As 9 2 et 3. Sébastien, on a eu beaucoup de mal hein, à revenir de l'arrière-garde. Cette émission impossible hein. C'est vrai qu'en tête il y avait des chevaux de qualité en forme et...